Michael Douglas et le Festival de Deauville, une histoire d'amour qui dure depuis des décennies. Depuis les années 80, il a été un invité régulier, apportant avec lui une touche de glamour hollywoodien à cette charmante ville française. Un lieu où il a été récompensé, a foulé les tapis rouges et a ressenti la chaleur de l'admiration française. Chaque année, le festival célèbre non seulement le cinéma, mais aussi les artistes qui ont marqué l'industrie, et Michael Douglas en fait partie intégrante. Il y revient année après année, attiré par l'atmosphère unique et l'accueil chaleureux des habitants. Pour lui, Deauville est plus qu'un simple festival, c'est une seconde maison. Qu'est-ce qui fait de Deauville un endroit si spécial à ses yeux? Est-ce la beauté pittoresque de la ville, avec ses plages dorées et ses bâtiments élégants, ou l'esprit du festival qui réunit des cinéphiles du monde entier? Deauville est magique, dit Michael, une lueur dans le regard. Il parle souvent de l'énergie vibrante qui émane de chaque coin de rue pendant le festival. L'énergie, les gens, les films, c'est une célébration du cinéma. Les projections en plein air, les discussions passionnées après les films et les rencontres fortuites avec des fans et des collègues rendent chaque visite mémorable. Il a été honoré par le festival à plusieurs reprises, recevant des prix pour ses contributions exceptionnelles au cinéma. Ces moments de reconnaissance sont précieux pour lui. Chaque visite fait remonter un flot de souvenirs. Les premières fois où il a foulé le tapis rouge, les discours émouvants et les soirées passées à discuter de cinéma avec des amis proches. Le festival occupe une place particulière dans son cœur, non seulement pour la reconnaissance, mais aussi pour les moments partagés et les liens créés. Les interactions avec les fans, les moments de camaraderie avec d'autres célébrités et les instants de réflexion personnelle. J'ai vécu certains de mes moments les plus fiers ici, confie-t-il. Mais surtout, je me suis fait des amis et des souvenirs qui dureront toute une vie. Deauville, avec son charme intemporel et son amour pour le cinéma, restera toujours un lieu cher à son cœur. La carrière de Michael est une tapisserie tissée de rôles emblématiques, chacun ajoutant une nouvelle dimension à son talent. Des rues de San Francisco aux couloirs de Wall Street, il a captivé le public par son charisme et son jeu d'acteur. Chaque rôle qu'il a interprété a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Son parcours a commencé avec « Les rues de San Francisco », une série qui l'a propulsé vers la célébrité. Cette série télévisée des années 70 a été un tremplin pour sa carrière, lui permettant de montrer son potentiel au monde entier. « J'étais jeune et désireux d'apprendre », se souvient Michael. Chaque jour sur le plateau était une nouvelle leçon, une nouvelle opportunité de grandir en tant qu'acteur. C'était un cours intensif de comédie, mais j'ai adoré chaque minute. Les défis étaient innombreux, mais ils m'ont permis de me forger une solide expérience. Puis vint Vol, au-dessus d'un nid de coucou, un film qui a révélé sa profondeur dramatique. Ce rôle a été une véritable révélation pour lui, montrant au monde entier l'étendue de son talent. Jouer Mac Murphy a été un tournant, un rôle qui lui a valu les éloges de la critique et a consolidé sa place à Hollywood. Ce personnage complexe et nuancé a permis à Michael de se dépasser et de prouver qu'il était bien plus qu'un simple acteur de télévision. « Mac Murphy était un cadeau », dit-il, en repensant à l'impact du film. Ce rôle a non seulement marqué sa carrière, mais a également touché profondément le public. C'était l'occasion de vraiment me plonger dans un personnage et d'explorer la condition humaine. Chaque scène était une exploration de l'âme humaine, une chance de toucher quelque chose de vrai et d'universel. Deauville n'est pas seulement synonyme de film pour Michael, c'est aussi là qu'une histoire d'amour bien réelle s'est écrite. C'est ici qu'il a croisé le chemin de la belle Catherine Zeta-Jones, un moment qui a changé sa vie à jamais. « Je l'ai vu de l'autre côté de la pièce, et j'ai été conquis », confesse Michael, un sourire chaleureux éclairant son visage. Leur connexion a été instantanée, une étincelle partagée qui a allumé une romance intemporelle. Deauville est devenu le décor de leur histoire d'amour. Un lieu où ils sont retournés main dans la main,
leur lien se renforçant d'année en année. Rencontrer mon âme sœur dans un endroit aussi magique, songe Michael. On dirait que c'était le destin. Michael Douglas est bien plus qu'un acteur. C'est un conteur, un visionnaire. Il est passé de l'interprétation à la production avec aisance, animé par le désir de donner vie à des histoires captivantes. Wall Street était son idée originale, un film qui a trouvé un écho auprès du public et lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Je voulais explorer le monde de la finance, l'ambition et les risques, explique-t-il. C'était une histoire qui devait être racontée. La production lui a offert une nouvelle perspective, lui permettant de façonner des récits et de défendre des projets auxquels il croyait. De « À la poursuite du diamant vert » à « Le syndrome chinois », son travail de producteur a marqué le cinéma d'une empreinte indélébile. Cinquième partie. Naviguer entre célébrité et famille. La célébrité est une arme à double tranchant, et Michael Douglas ne le sait que trop bien. Il a navigué dans les complexités de la vie publique avec grâce et résilience, en accordant toujours la priorité à sa famille. La célébrité a ses défis, admet-il. Mais ma famille a toujours été mon point d'ancrage, ma priorité. Il est farouchement protecteur envers ses proches, les protégeant des intrusions des paparazzi. Trouver un équilibre entre sa carrière et son rôle de père a été un numéro d'équilibriste permanent, qu'il a embrassé avec amour et dévouement. Être père est le plus beau rôle que je jouerai jamais, dit-il, la voix pleine de chaleur. Sixième partie. Un héritage de militantisme. Michael Douglas utilise sa tribune pour faire bouger les choses. Il milite activement pour la paix et le désarmement, œuvrant sans relâche à la création d'un monde plus sûr. Son engagement en faveur de la justice sociale découle d'une croyance profonde en l'égalité et les droits de l'homme. Nous avons la responsabilité de laisser un monde meilleur que celui que nous avons trouvé, souligne-t-il. De son travail avec la Nuclear Age Peace Foundation à son soutien au contrôle des armes à feu, il s'est consacré à des causes qui lui tiennent à cœur. Son activisme témoigne de son caractère, reflétant son empathie et son désir de créer un monde plus juste et plus pacifique. Septième partie, l'évolution d'Hollywood. Hollywood a radicalement changé depuis que Michael Douglas a fait ses premiers pas sur scène. Il a été témoin de l'essor des services de streaming, de l'évolution de la narration et de l'importance croissante de la diversité et de l'inclusion. L'industrie est en constante évolution, observe-t-il, mais l'essence d'une bonne histoire reste la même. Il accueille ces changements à bras ouverts, reconnaissant les opportunités qu'ils représentent. Il est particulièrement encouragé par la représentation croissante des voix marginalisées, convaincu que la diversité renforce la narration. Il était temps, dit-il, nous avons besoin de voix plus diversifiées pour raconter leurs histoires, partager leurs points de vue. Huitième partie, l'optimisme face aux défis. Malgré les épreuves personnelles et mondiales qu'il a traversées, Michael Douglas demeure optimiste. Il croit en la puissance de la résilience, en l'importance de l'espoir. Il a affronté des problèmes de santé et des turbulences politiques, avec une force inébranlable, cherchant toujours le bon côté des choses. « La vie nous réserve des surprises », reconnaît-il. « Mais c'est la façon dont nous réagissons qui nous définit. » Son optimisme est contagieux, nous rappelant que même face à l'adversité, il y a toujours de l'espoir. Il croit en la capacité de l'homme à faire le bien, à surmonter les obstacles et à créer un avenir meilleur. Neuvième partie, un héritage durable. L'héritage de Michael Douglas va bien au-delà de son impressionnante filmographie. Il a su captiver le public avec des performances inoubliables et des rôles variés qui ont marqué plusieurs générations. C'est une icône, un modèle, un artiste qui a marqué de son empreinte Hollywood et le monde entier. Son charisme et son talent ont transcendé les frontières du cinéma.
son travail continue d'inspirer, de divertir et de susciter des conversations. Que ce soit à travers ses films ou ses prises de position publique, Michael Douglas reste une figure influente. Il nous rappelle que l'âge n'est qu'un chiffre et que la passion et le dévouement peuvent alimenter une vie entière de réussite. Son engagement envers son art et sa persévérance sont des leçons pour nous tous. « Je suis simplement reconnaissant du chemin parcouru », confie Michael, une pointe de nostalgie dans la voix. Il se remémore les moments forts de sa carrière avec une grande humilité et impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Toujours en quête de nouveaux défis, il ne cesse de se réinventer. Son impact sur le cinéma est indéniable, sa contribution à la société incommensurable. Il a non seulement diverti des millions de personnes, mais a aussi utilisé sa notoriété pour des causes importantes. Véritable légende hollywoodienne, Michael Douglas continue de captiver et d'inspirer, laissant derrière lui un héritage qui traversera les générations. Son nom restera gravé dans l'histoire du cinéma.